Le thème de Lillart cette année est ici ailleurs. C'est en référence à ce qu'on a vécu pendant 2 ans. Regardez ici, puisqu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Et s'il y a bien une seule raison de se réjouir du Covid, c'est que ça nous a donné une belle thématique pour Lillart. Et puis il a fallu, de la part des créatrices et des créateurs, accepter de s'adapter à des conditions nouvelles. Et moi, j'ai été touché, ému de voir à quel point cet attachement était partagé. Lillart, c'est la culture au cœur de la ville, c'est la culture dans des lieux où d'habitude elle n'est pas, c'est la culture au contact de chacune et de chacun. Mais la moitié sont des poules mouillées. Trop peu seraient prêts à couiller. Gaffe à ce que tu fais, d'un coup tu peux te faire couler. Quand même tu peux t'écrouler. Je me les ravale de feuilles de canard. Watch Twitter pour me faire des câlins. Télégramme, business en canal. Et pas comme les autres, t'es malin. Le parcours en cité sont banal. Quand j'attends ma vie, des donc le pantalon des filles qui est toutes les de France, verte. Et le haut, c'est de la fourrure synthétique. Voilà, création. Donc le pantalon, il est customisé. Le prix dans l'équipage. Ils font les robes, ils sont restes comme des produits typiques. Et donc, le gagnant de Lillart 2022 est le photographe Gauthier Bédrignan.